Et salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très très bien. Ici Benoît19Gaming, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo à titre informatif. Donc je voulais vous expliquer quelques trucs et cette vidéo, donc elle est faite pour ça. Dans un premier temps, je vais vous expliquer pourquoi je fais moins de vidéos qu'avant et je ne fais plus de glitch. Donc en un mois j'ai fait, depuis un mois j'ai fait que 4 vidéos. Donc je clash le YouTube Game il y a un mois. J'ai fait une petite vidéo sur un retour à Advanced Warfare, un petit clip de 10-11 secondes sur Rainbow Six Siege et puis un Urbet. Hein. Donc vraiment beaucoup moins de vidéos, enfin même plus du tout de vidéos glitch et beaucoup moins de vidéos de gaming comme avant. Donc je vais vous expliquer dans cette vidéo pourquoi. Parce qu'il y a bien sûr il y a une raison. Donc j'ai retrouvé du travail il y a très peu de temps, donc il y a un mois. Et du coup j'ai beaucoup moins de temps qu'avant pour faire des vidéos. Donc je joue encore donc sur Rainbow tous les soirs, mais j'ai travaillé toute la journée, donc j'ai pas trop envie du coup de faire des vidéos. J'ai moins la motivation et j'ai moins le temps également. Donc voilà, c'est pour ça que je fais moins de vidéos qu'avant. Sachant que ma dernière vidéo date d'il y a 2 semaines. C'était une vidéo d'Urbet en plus que j'avais tourné il y a un mois. Donc j'ai mis quand même 2 semaines à faire le montage. Donc voilà, donc j'avais ça à vous expliquer dans un premier temps. Ensuite, je fais plus de glitch, donc également pour la même raison, parce que j'ai plus le temps. Et parce que, avant quand je faisais des glitches, donc avril, mai, juin à peu près, et ben je trouvais des exclus de glitch et tout. Et puis je me faisais voler mes glitches par un gars qui s'appelle The Vectritz, donc c'est un allemand qui a 6000 abonnés. Et à chaque fois que je faisais des vidéos de glitch, le lendemain elles étaient sur sa chaîne. Donc le gars me volait des glitches, au total il a dû m'en... Enfin pas voler parce que voilà, c'est un jeu. Mais il a dû faire... Donc quand j'ai sorti une vidéo de glitch exclusive, le lendemain il faisait les mêmes. Et ça il me l'a fait au moins 10 fois. Donc le gars il m'a tout simplement volé une dizaine de glitches. Mais... je m'en foutais moi parce que rien qu'au mois de mai j'ai quand même fait 1200 abonnés grâce au glitch Rainbow. Donc du coup j'ai réussi à monter ma communauté comme ça. Sauf que quand... Attendez, zut. Sauf que quand quand il me volait mes glitches, il y a personne qui lui disait tu plagies à Benoît19Gaming. Voilà. Donc il m'a volé entre 10 et 15 glitches à peu près. Et puis personne ne disait rien. Et du moment après que moi j'avais plus trop le temps de trouver des exclus de glitch, j'ai décidé d'aller voir sur sa chaîne pour prendre des glitches qui faisait sur sa chaîne, vu qu'il m'en avait quand même volé 10-15. Donc du coup j'ai commencé à faire ça, à prendre des glitches sur sa chaîne pour les mettre sur ma chaîne YouTube parce que j'avais plus trop le temps d'en trouver. Et puis on a commencé à chaque vidéo que je sortais, on me disait plagiat The Vectritz, plagiat The Vectritz. Et alors que lui il m'en avait volé 10-15 et jamais personne n'a rien dit, moi 5 hein, au total, alors que lui il m'en a pris au moins 10. Donc voilà, et ça a commencé plagiat juste parce qu'il a plus d'abonnés que moi. Sachant que tous les glitches qu'il y a sur sa chaîne à ce gars depuis avril, donc tous ces glitches Rainbow Six Siege, j'en ai jamais vu un qui venait vraiment de lui. Parce qu'à chaque fois qu'il a sorti un glitch sur sa chaîne, donc avant ça venait de ma chaîne, et puis après ça venait de youtubeurs comme Gecko, comme voilà. C'était toujours des youtubeurs, ils volaient toujours les glitches à des youtubeurs. Donc quand c'était pas moi, c'était à Gecko, c'était à Advanced Glitch, voilà. Tous les glitches qu'il y a sur sa chaîne, ce n'est pas lui qui les trouve. Tous les glitches que j'ai vu à chaque fois sur sa chaîne, je les avais déjà vu sur d'autres chaînes avant. Et on m'a dit plagiat The Vectritz, alors que on m'aurait dit plagiat Gecko, ok, c'est lui qui a trouvé le glitch, voilà. Mais moi j'ai juste voulu me venger de... Enfin pas me venger parce que j'avais plus le temps de trouver des glitches. Mais lui il l'avait fait, donc je voyais pas pourquoi j'aurais pas le droit de le faire pour lui. Et j'ai commencé à avoir des rageux qui sont venus sur ma chaîne à chaque vidéo, plagiat, plagiat, voilà. Donc voilà, ensuite dans ma vidéo je clash le YouTube Game, j'ai dit que j'ai fait un auto-clash sur la fin de la vidéo en disant que je plagiais à Gecko. C'est en fait vu que je prenais les glitches donc à The Vectritz, vu que c'était pas ses glitches, j'ai préféré parler de Gecko pour lui faire quand même un peu de pub, voilà. Ensuite je devais être à la Paris Game Week pour une rencontre abonnée le samedi 29 je crois, oui le samedi 29. Mais vu que maintenant je travaille, donc je travaille également le samedi matin, je finis à midi et demi. Si je prenais le train, donc après le boulot, je serais arrivé donc à la Paris Game Week vers à peu près 4h l'après-midi, donc ce qui ne valait pas le coup. Donc du coup je vais aller à la Paris Game Week, mais le dimanche, donc le dimanche 30. Donc je serai à la Paris Game Week, mais le dimanche 30, voilà. J'irai avec Sylve, donc celui avec qui je fais des vidéos, enfin mon meilleur pote, avec qui je fais des vidéos depuis le début de ma chaîne. Donc c'est Dudu, Sylvain, j'ai fait des vlogs et tout avec lui. Hein. Donc c'est quelqu'un de fréquent sur ma chaîne et je voyais pas pourquoi j'irais pas à la Paris Game Week avec lui.
J'y vais également avec mon frère, voilà. Donc je serai à la Paris Games Week, mais le dimanche, pas le samedi comme promis. Voilà. Puis je pense que c'est à peu près tout. Si j'ai d'autres informations à vous dire, je vous le dirai dans une autre vidéo, voilà. Donc là, voilà, j'avais quelques trucs à vous dire, donc j'ai trouvé du boulot et j'ai moins le temps de faire des vidéos. Mais je vais en refaire. Dites-moi en commentaire quel type de vidéo vous voulez voir sur ma chaîne. Je pense refaire quelques glitches, mais voilà, enfin bah, je me remotive. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On se retrouve une prochaine fois pour du gaming ou de l'urbex ou autre chose, voilà. Et en attendant, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé ou à dislike si vous n'avez pas aimé. C'est pas grave, on est bientôt 2800 abonnés, donc n'hésitez pas également à partager la chaîne avec vos potes. Et ciao, bye bye les gens. Peace.